Moi, ce que je veux, c'est pas faire du show avec Maradona. Ce que je veux, c'est gagner la Coupe d'Europe. Mais je le veux. C'est pas je le voudrais bien. Mm-hmm. C'est je le veux. Bon. Et peut-être que Maradona, c'est un petit plus. Car malgré qu'il fasse 10 kilos de trop, d'après Thierry Roland, il a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, l'air de rien, avec ses 10 kilos de trop. Printemps 1989, l'Olympique de Marseille rayonne. Trois ans après avoir été racheté par Bernard Tapie, le club phocéen vient de remporter le titre de champion de France 88-89. Le sixième de son histoire, et le premier de l'ère Tapie. Le premier d'une longue série pour Éric Dimeco, Basile Boli, Jean-Pierre Papin et consorts. Auquel vient d'ailleurs s'ajouter un autre trophée, celui de la Coupe de France cette fois-ci. Remporté face à l'AS Monaco sous les yeux de François Mitterrand. Mais à la table de Bernard Tapie en réalité, Coupe et Championnat de France ne constituent rien d'autre que des amuse-bouches. L'essentiel pour le futur ministre de la Ville se situe ailleurs, bien loin des compétitions franco-françaises, précisément sur le terrain européen, là où il rêve de remporter la fameuse Coupe d'Europe des clubs champions, ancêtre de l'actuelle Champions League. Un trophée d'autant plus prestigieux à remporter qu'aucun club français n'y est encore parvenu. Seul le Stade de Reims et les Saint-Étienne ont atteint la finale. En vain. En coulisses donc, c'est avec en tête l'idée d'atteindre cet objectif que les dirigeants marseillais réfléchissent à la façon de renforcer l'équipe. Mais à une époque où l'arrêt Bosman n'a pas encore eu lieu, et où le nombre de joueurs étrangers alignés sur la pelouse est limité à 3, ils n'ont pas tellement le droit à l'erreur. C'est ainsi qu'un matin du mois de mai 89, Bernard Tapie se voit contacté par un certain Guillermo Coppola. Pour tous les amateurs de foot, cet agent de joueur n'est rien d'autre qu'un anonyme. Le joueur dont il défend les intérêts en revanche, l'est beaucoup moins, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Diego Maradona. Et à l'adresse de Bernard Tapie, Coppola explique en substance que son joueur aimerait quitter le Napoli, et qu'à ce titre, l'Olympique de Marseille pourrait bien être sa prochaine destination. Car à Naples, en effet, Diego a déjà tout vécu, en bien comme en mal. En bien d'un point de vue sportif, de son récent titre de champion d'Europe en Coupe de l'UEFA à celui de champion d'Italie, remporté au nez à la barbe de tous les puissants clubs du Nord, la Juve en tête. Mais en mal, d'un point de vue extra-sportif, contraint par exemple d'assumer médiatiquement l'existence d'un fils illégitime, et même ses relations sulfureuses, parfois teinté de poudre blanche avec la mafia napolitaine. Pour toutes ces raisons donc, le génial numéro 10 argentin n'est plus heureux en Italie. Des informations qui, d'ailleurs, concordent plus ou moins avec les bruits de couloir que certains dirigeants marseillais, Bernard Tapie en tête, ont cru percevoir depuis plusieurs semaines déjà. Aucun doute, l'OM dispose bel et bien d'une ouverture afin de réaliser ce qui pourrait bien devenir le transfert du siècle. Certes petite pour l'instant, mais une ouverture quand même. Or, exploiter de petites ouvertures, quitte à mettre le pied dans la porte, c'est précisément ce que Bernard Tapie n'a cessé d'accomplir depuis le début de sa carrière. Dès lors, sa décision est prise. Pour le cru 89, sa nouvelle recrue star devra répondre au nom de Diego Maradona. Plus une seule seconde n'est à perdre désormais. Aussitôt, décision est ainsi prise de sa part de placer Michel Hidalgo, son directeur sportif, dans la confidence. « Tu vas à Naples », lui lance-t-il. L'objectif étant d'aller y nouer le contact avec la star argentine. L'ancien sélectionneur des Bleus se souvient. Tapie est parti au quart de tour. Il m'a proposé de prendre son avion privé pour aller rencontrer Maradona chez lui, à Naples. Sur un avion de ligne, on se serait fait repérer tout de suite. Fort de son expérience dans le monde des affaires, Bernard Tapie n'ignore pas en effet que la discrétion constituera sans doute le critère de réussite numéro 1 d'une telle opération. Toujours est-il qu'entre Hidalgo et Maradona, le rendez-vous secret est fixé au 2 juin 89, au domicile personnel du numéro 10 napolitain. Hasard du calendrier, c'est également le 2 juin qu'est célébré le baptême de Giannina, la fille aînée de Maradona. Une fois sur place, Hidalgo est ainsi convié à patienter quelques instants dans la cuisine du joueur. Le temps pour ce dernier et pour sa fille de se livrer à une séance photo auprès de quelques journalistes argentins.
Séance photo interrompue toutes les 15 minutes environ par un Maradona soucieux malgré tout de mettre à l'aise son invité du jour. Là encore, Hidalgo se souvient. Il était en tenue de soirée et m'a isolé dans la cuisine. Il venait tous les quarts d'heure pour me dire « Mister Hidalgo, ça va ?» Très gentil, mais très occupé. Conscient que son voyage à Naples risque d'être beaucoup plus long que prévu, Hidalgo choisit pour l'anecdote de retarder à plusieurs reprises l'avion du retour pour Marseille. Le soir venu en tout cas, c'est autour d'un dîner que les négociations peuvent officiellement commencer entre, d'un côté, le clan Maradona, de l'autre, l'Olympique de Marseille, représenté par Michel Hidalgo. D'entrée de jeu, le directeur sportif olympien annonce la couleur aux joueurs. Tout le monde au club souhaite qu'ils viennent jouer à Marseille. Sur la table, Hidalgo abat d'ailleurs rapidement sa carte la plus précieuse. Une immense villa en bord de mer, située dans les environs de Marseille, à Cassis, avec piscine privée bien sûr, et grand jardin semé de palmiers. Le paysage paradisiaque suggéré par une telle proposition séduit aussitôt Maradona, lui qui ne supporte plus sa maison napolitaine. À cette demeure viendra s'ajouter quelques jours plus tard, au hasard d'une réunion milanaise avec Tapi cette fois-ci, un salaire multiplié par deux. Et bien sûr, la perspective de remporter la C1, un trophée que Maradona n'a pas encore soulevé. Suffisant pour tracer ce soir-là les contours d'un premier accord verbal avec Hidalgo concernant un potentiel transfert à Marseille. De cette soirée à Naples, Michel Hidalgo nourrit en tout cas une certitude. Celle d'avoir dîné avec un joueur qui ne portera plus jamais le maillot de Naples et qui dans son esprit appartient déjà à Marseille. En résumé, un joueur de malade, dans une ville et dans un club de fous. Sur le papier, le mariage entre Maradona et Marseille promet d'être explosif. La partie pourtant est encore loin d'être gagnée. Le plus difficile reste à faire désormais. Convaincre non pas Maradona, mais Naples cette fois-ci. Naples, dans tous les sens du terme. Le club de Naples, bien sûr, a commencé par son président propriétaire, Corrado Ferlaino, mais également la ville de Naples, et notamment la mafia locale, qui dispose d'un droit de regard sur la carrière de Diego. D'où la fameuse discrétion prônée par Tapie. Mais en réalité, le soir de la fameuse réunion Hidalgo-Maradona, la discrétion a déjà volé en éclats, à la faveur d'un coup de téléphone surprise reçu par le numéro 10 argentin. Au bout du fil, l'interlocuteur mystère parle français et cherche à s'adresser à Michel Hidalgo. Ce dernier s'empare donc de l'appareil, croyant naïvement qu'il s'agit de Bernard Tapie. Grave erreur en réalité. La voix téléphonique est bien celle d'un Français, mais d'un journaliste de l'équipe. Un journaliste qui, par certaines indiscrétions, a ouï dire d'une entrevue secrète entre Maradona et Michel Hidalgo. En d'autres termes, l'information a fuité. Quelqu'un l'a balancée. Au matin du 3 juin 89, la une du quotidien sportif est sans appel. Maradona à Marseille. Le tout en majuscule et en caractère gras bien entendu. La nouvelle fait aussitôt le tour de l'Hexagone, puis de l'Europe tout entière. Et fatalement, elle arrive jusqu'aux oreilles des gros bonnets de la mafia napolitaine, eux qui ont en partie financé l'arrivée du joueur en provenance de Barcelone 3 ans plus tôt, et qui ne cessent de s'enrichir à coups de produits dérivés et autres paris sportifs illégaux. Pour toutes ces raisons, leur réaction est claire et nette. Il est hors de question de voir Diego Maradona quitter la ville et quitter le club de Naples. Soupçonné par certains mafieux d'être à l'origine de ce foutoir, Corrado Ferlaino reçoit aussitôt des menaces de mort de la part de la Camorra. Plus que jamais, le président du Napoli doit donc éteindre l'incendie, faire avorter coûte que coûte le transfert. Plus encore quand, face à la presse, El Pibe de Oro annonce clairement sa volonté de casser son contrat avec Naples et d'aller voir ailleurs. Mais de l'autre côté de la frontière, Bernard Tapie n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Cette porte entrouverte, il a bien l'intention de la défoncer, quitte à mettre encore plus d'argent s'il le faut. Il le voulait à Marseille, se rappelle Ferlaino. Et un jour, Tapie m'a dit « Je t'envoie le chèque signé et tu le remplis ». Quand l'enveloppe est arrivée, j'ai tout déchiré. Je n'avais aucune intention de le vendre, même si je sentais que cette chance ne se représenterait pas.
De son côté, Tapie continue d'entretenir médiatiquement le mythe Maradona à Marseille. Interrogé par Téléfoot par exemple, le futur patron d'Adidas joue carte sur table et déclare sans complexe que pour s'attacher les services de Maradona, il est prêt à débourser 20 millions de francs par an, une somme colossale pour l'époque. Mais c'est cadeau, se défend-il. C'est rien, c'est strictement zéro. En coulisses toutefois, Tapie ne se fait guère d'illusions. Ce genre d'interview pour lui ne relève que de la stratégie marketing, celle qui consiste à faire parler de l'OM à travers le monde entier, ne serait-ce que pour le présenter comme un club capable d'engager Maradona. Mais au fond, il sait déjà que le transfert du siècle n'aura jamais lieu, Ferlaino et la mafia n'ayant absolument pas l'intention de céder. Même Maradona semble s'être fait une raison. Qu'il le veuille ou non, son avenir s'écrira du côté de Naples, du moins pour les trois prochaines années, jusque 1992. Pour se consoler, Tapie et Marseille, quant à eux, pourront malgré tout compter la saison suivante sur la présence d'un autre numéro 10 de génie sur la pelouse du Vélodrome, en la personne de l'Uruguayen Enzo Francescoli. Pas de quoi néanmoins dissiper les regrets de Bernard Tapie, même trois décennies plus tard. Si tout le monde avait gardé sa langue, il aurait fait une saison avec nous au moins, voire deux. L'identité de la taupe en question ne sera jamais dévoilée, même si, pour l'anecdote, Tapie un jour pointera du doigt l'un des cadres de l'équipe dirigeante de l'OM. Certains iront même jusqu'à émettre l'hypothèse Michel Hidalgo, dont les relations avec Tapie ont été de plus en plus tendues à partir de l'été 89. Des regrets, encore aujourd'hui, Ferlaino lui n'en nourrit pas un seul concernant la façon qu'il a eu de gérer le cas Maradona. Bien au contraire. Si j'avais vendu Maradona à Marseille, assure-t-il, on m'aurait tué.